C'est pas possible, pourquoi j'arrive pas à leur voler les clés? Je ne suis plus très en forme depuis que... notre fille nous a été enlevée. Ah. Plus un pas. Encore une fille assassinée. C'est Susanna. Ouais. Elle m'a servi une chope il y a quelques jours. Je ne peux pas dire que je la connais comme les autres. C'est comme si un animal l'avait. Susanna est la troisième victime. C'est toujours pareil. La guerre mobilise toutes nos ressources. Et personne n'a le temps de s'occuper de cette affaire. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Si vous voulez nous aider, demandez à ces idiots s'ils ont vu quelque chose d'utile. Je vais examiner le corps avant que les rats n'emportent tout. Oh, il... Non, désolé. Il me semble avoir vu un homme s'enfuir, mais je ne pourrais pas dire à quoi il ressemblait. J'ai accouru après avoir entendu un cri, mais elle était déjà... à mon arrivée. Vous préparez un coup, c'est ça? Je veux bien vous apprendre, mais ce ne sera pas gratuit. Vous préparez un coup, c'est ça? Je veux bien vous apprendre, mais ce ne sera pas gratuit. J'étais pas sûr d'avoir bien sauvegardé. Vous préparez un coup, c'est ça? Je veux bien vous apprendre, mais ce ne sera pas gratuit. Mort pour une chose tragique. Attendez, je vous connais? Dieu aime les âmes charitables. Par ordre du garde, pas un pas de plus. Bon, 0% de chance de voler. En même temps, si elle m'apprend à voler, puis que droit derrière, bon, bref, je sais qu'au moins là, je peux apprendre. Mort est toujours une chose tragique. C'est bien. Non, désolé. En revanche, j'ai remarqué que le responsable n'avait pas touché à sa bourse. Donc, il n'en avait pas après son argent. Je vais continuer à préparer le corps, si vous voulez bien m'excuser. Quelques centimes pour payer, c'est tout ce que je... Passez à mon bazar des curiosités à l'occasion. Je vous connais. Je vous promets que vous y verrez des merveilles. Il n'y a pas d'erreur. Vous êtes... Vous savez quoi? Vous n'en valez même pas la peine. Partez. Je vous laisse vous être garde. Je serais bien. C'est toujours la même chose. Personne n'a... Écoutez, si vous pensez pouvoir faire mieux qu'une légion de gardes, je vous en prie. Mais bien vous sûr. Devez d'abord voir le chambellan au château. S'il est d'accord, nous pourrons parler. Allez, go. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir ce barrage, bordel. Une quête que j'ai déjà fait, donc je ne suis jamais amusé à avoir cette maison à Vendôme. Donc... Je possède la ferme des Badou. Cool. À l'extérieur de la ville. Par contre, je suis toujours osé choper cette prime. Les sombrages, nous vivons des temps. Tous mes hommes, moi aussi, je suis heureux de pouvoir prêter main forte autant que je peux. Je ne suis pas un grand stratège, mais cela n'empêche pas le seigneur Ulfric d'écouter mes conseils. Si vous avez des nouvelles, il y a bien une maison vide en ville, mais elle a récemment subi quelques incivilités. Ah oui. Attendez, je vous connais. Alors. Je ferai ça plus tard.
Je possède la... Ça fait des génies que les cruelles mères sont une famille de marins. En vérité... Alors... Les Denmer... Bon, très bien. J'ai repéré une traînée de sang partant d'ici. Elgir a emmené le corps à la nécropole pour préparer la mise en terre. Elle est un peu folle, mais question cadavre, elle s'y connaît. C'est surtout elle, la tueuse, si je me trompe pas. Enfin, c'est elle le boucher. Une large entaille. Eh bien, elle est morte. Enfin, non, désolé, putain. Je plaisantais. Pas vraiment. Là, on dirait. J'ignore qui à Vendôme pourrait en posséder. À part moi, je ne me ferai pas. Bien, il faut vraiment que je retourne préparer le corps pour les funérailles. Il me reste beaucoup de travail. La scène du crime, j'ai déjà fait, non? Oh, putain. Et tous ces chargements, ça va encore planter. Quelques septimes pour payer mon souper, c'est tout ce que je demande. Donc les traces de sang commencent ici. Et vont donc finir dans la maison. Défense de glandouiller. Je t'en foutrais moi du glandouillage. J'ai la clé maintenant. Donc... Tu vas me dire qu'il faut que je me retape tout ce que j'ai déjà fait avant ? J'ai encore tombé sur le mec en question. Jean-Yves. Les sombrages sont victorieux partout dans... J'ai grandi. Ces murs ont été témoins de bien des choses. Il y a bien une maison vide en ville, bon. Mais elle a récemment subi quelques... Attends, je vous connais. Non, tu me connais pas, putain. Si je retrouve votre main dans ma poche, je la coupe. Si je chope ta langue, je la coupe aussi.
un endroit que j'ai oublié de faire. Putain. Le coup de bol. Servir les indices. Encore par se servir les indices. Genre j'ai un GRL, je lui demande si c'est son médaillon. Je sais pas ce que je pouvais faire d'autre. Une large entaille diagonale partant de l'épaule gauche. Une large entaille diagonale partant de l'épaule gauche. Bon. On va attendre la nuit. Ah merde. Ravi de vous revoir. Tiens, il y a trop de monde qui passe ici. C'est un cimetière, bordel. Vachement facilement toi. La pauvre Nilsyn est anéantie depuis que sa sœur a été tuée. Ça fait ration. Pardonnez-moi mon humeur massacrante. En vérité, j'ai encore du mal à accepter la mort de ma fille. Bon. Je crois qu'il n'y a pas rentré là-dedans de nuit, je vois pas de quoi, trop quoi faire. C'est-à-dire quoi, servez-vous des indices ?